Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Do It Save Inspiration, idée à réaliser soi-même, et je vais vous montrer comment crocheter un point. Vous allez voir, c'est assez simple à faire. Donc avec des demi-brides, des mailles en l'air, et je vais vous montrer donc bien sûr tout ce dont vous avez besoin pour pouvoir faire ça. Alors, j'ai utilisé la Merino Mix Big de My Oma. Donc dedans, c'est... Voilà, du mérino, de l'acrylique. Donc c'est pour des aiguilles 7-6 mm. Vous voyez un peu la couleur. Voilà, un rouge foncé. Donc j'ai besoin d'un multiple de 4 plus 3 mailles pour réaliser ce point. Donc je vais faire 16 plus 3, donc 19. Donc on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19, on s'arrête à 19, pardon. Ensuite, je laisse les 3 mailles pour les premières mailles. Et dans ma quatrième, je pique et encrochette dans cette maille une demi-bride. Et à nouveau une demi-bride dans cette même maille. Donc on encrochette une nouvelle. Ensuite, deux mailles en l'air. Et je vais dans la maille suivante pour crocheter à nouveau deux demi-brides. Donc, toutes ces deux demi-brides dans la même maille. Hein. Donc là, j'ai deux mailles en l'air, deux demi-brides, deux mailles en l'air, deux demi-brides. Et on compte aussi, donc, on a aussi, nous, ces trois mailles en l'air que l'on a laissées au début. Donc là, je laisse... deux mailles, je crochète dans la troisième, deux demi-brides, deux mailles en l'air, et puis dans la suivante, deux demi-brides, dans la maille suivante encore, deux demi-brides. On saute à nouveau deux mailles, et dans la troisième, on crochète deux demi-brides. Deux mailles en l'air et dans la maille d'après encore, donc deux demi-brides. Et donc on saute deux mailles et dans la troisième on repart. Vous voyez ce que ça donne. On repart dans la dans deux mailles, donc on laisse deux mailles dans la troisième, on pique pour crocheter deux demi-brides. Et on continue donc après, on sépare à chaque fois. En fait, c'est deux paquets de deux demi-brides par deux mailles en l'air. Donc là, j'ai encore trois mailles qui me restent. Et dans la dernière, je vais crocheter une demi-bride. Donc ainsi, donc on a crocheté le premier rang. Donc vous avez vu, multiple de 4 plus 3. Et donc on a besoin de cette base pour réaliser cette structure. Voilà, donc après on a les trois mailles en l'air pour, voilà, pour laisser pour le début, puis on termine, on clôt le rang avec cette demi-bride. Et entre les deux paquets de deux demi-brides, on a toujours deux mailles en l'air. Donc voilà pour votre rang. On va pouvoir commencer le rang suivant. Donc deux mailles en l'air.
Et là, je vais travailler au niveau de cette chaînette de mailles en l'air, donc les deux mailles en l'air que l'on avait crochetées. On va crocheter deux demi-brides, deux mailles en l'air, deux demi-brides. Donc tout ça au niveau de ces deux mailles en l'air que l'on a laissées entre les deux paquets des deux demi-brides. Vous voyez, ça vous fait une belle ouverture quand vous crochetez tout ça au niveau de ces deux mailles en l'air. Et là, à nouveau, hein, jeter. Et on part pour des demi-brides. Donc, voilà. Deux demi-brides, deux mailles en l'air, deux demi-brides à chaque fois, au niveau de chaque arceau que vous allez travailler. Voilà, donc vous voyez, progressivement. Et on continue donc deux demi-brides, deux mailles en l'air, deux demi-brides, tout ça toujours au niveau de ces deux mailles en l'air du motif suivant. Vous voyez, hein, c'est la base une fois qu'on l'a compris, donc c'est tout le temps la même chose. Voilà ce que ça vous donne. Et donc là, j'ai travaillé un troisième rang avec vous. Donc nos deux mailles en l'air pour la hauteur. Et puis après, on repart au niveau de ces deux mailles en l'air où on crochette deux demi-brides, deux mailles en l'air, deux demi-brides. Donc à chaque fois, au niveau de ces deux mailles en l'air que vous allez avoir. Donc cette base que vous avez travaillée au rang précédent. Et ici, on arrive au niveau de la chaînette maille en l'air et on crochette notre demi-bride pour terminer le rang. Donc ça se développe bien, ça fait un rendu plutôt sympa. Voilà. Donc vous voyez le rendu. Donc ça vous fait vraiment un très joli point. Un point ajouré. Donc vous voyez ici donc ces ouvertures que vous avez créées en crochetant au niveau de ces deux mailles en l'air. Donc voilà pour l'effet. Donc j'espère vraiment que ce point vous plaît. Si c'est le cas, aimez la vidéo, laissez des commentaires, des avis, des suggestions. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et on se dit à très très vite. Salut!